Your Excellencies, ladies and gentlemen, shall we all be seated, please? Please take your seats. Excellencies, ladies and gentlemen, shall we all be seated, please? Please take your seats. Thank you. Thank you.
Thank you. D'accord, très bien. OK.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats. Please take your seats. Please make sure that your cell phones are on silent to minimize any interruptions. Please take your seats. Thank you. Excellency President Macky Sall, Chairperson of the African Union Commission and the President of the Republic of Senegal, Excellencies, Heads of State and Government, Members of the African Union Assembly, Excellency Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, all protocols observed. I would like to invite His Excellency President Macky Sall, Chair of the African Union, to call the assembly meeting to order. Thank you. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine est ouverte. Je voudrais donner la parole à la chargée du protocole pour nous lire le programme. Thank you, Your Excellency. Your Excellencies, ladies and gentlemen, may I kindly request that we rise for the anthem of the African Union. Thank you very much. Please take your seats. I would like to extend a warm welcome to Your Excellency President Macky Sall of the Republic of Senegal and Chairperson of the African Union. Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
and host of the 36th ordinary session of the Assembly of the Union. Your Excellencies, Heads of States and Government, Your Excellency, Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. I would also like to acknowledge the presence of Your Excellency, Dr. Mohamed Shitaye, Prime Minister of the State of Palestine. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. I also acknowledge the presence of all our First Ladies in attendance. Honorable Ministers here present. Your Excellency, Dr. Monique Sazavaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, Dr. Adesina Akinwumi, President of the African Development Bank. Your Excellency, Mr. Wamkele Mene, Secretary General of the African Continental Free Trade Area. Your Excellencies, Commissioners of the African Union Commission. Your Excellency, Mr. Ahmed Abu Gait, Secretary General of the League of Arab States. Your Excellencies, Ambassadors here present, and heads of African Union organs and regional economic communities and mechanisms, which are the building blocks of our cherished African economic community. Furthermore, I recognize the presence and welcome our partners, members of the diplomatic corps. I recognize the presence of women leaders of Africa representing different institutions, members of the press, and all distinguished delegates. Thank you all for your presence here today. It is an honor to welcome you to the 36th ordinary session of the Assembly of the Union in Addis Ababa. My name is Muchimba, Acting Director of Protocol at the African Union Commission. I have the honor to guide you through the program of the opening ceremony of the 36th ordinary session of the Assembly of the African Union. The proceedings of the opening ceremony shall be as follows. His Excellency Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, will deliver his opening statement, followed by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. We will then have opening statements delivered in the following order. His Excellency Mr. Ahmed Abu Gait, Secretary General of the Arab League of States, followed by His Excellency Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General. Then His Excellency Dr. Mohamed Shitaye, Prime Minister of the State of Palestine. Thereafter, His Excellency President Macky Sall of the Republic of Senegal and Chairperson of the African Union would address the Assembly. Following the address by His Excellence, we'll have the announcement of the new Bureau of the Assembly of the African Union for 2023 and the incoming Chairperson of the African Union. Thereafter, His Excellence President Macky Sall will deliver his handover statement, followed by the acceptance statement of the incoming Chairperson of the Union. This will be followed by the launch of the theme of the year for 2023. Last but not the least, we'll have the family photo outside Nelson Mandela Hall. It is important to take note that, as a sign of respect to our leaders, we request all of us to remain seated while our leaders are going for the photo ceremony in front of Nelson Mandela Hall. After the family photo, we'll take a brief coffee break. We will then return to the auditorium for the closed sessions. May I remind all delegates that closed sessions are limited to only those with a special pin or a badge with a letter C. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, without further ado, may I now humbly invite His Excellency Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency, sir. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames,
messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes, madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, mesdames et messieurs les membres du Conseil exécutif, mesdames et messieurs les commissaires, honorables invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, mesdames, messieurs. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous recevoir dans l'enceinte de l'Union africaine à l'occasion de cette 36e session ordinaire de la conférence de notre Union. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous exprimer à l'entame de l'année 2023 mes vœux sincères d'une année pleine de bienfaits pour vous-même, pour vos familles et pour vos chers pays respectifs. Il me plaît aussi de rendre un vibrant hommage à mon frère, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union, dont j'ai eu l'occasion d'admirer l'humilité et le naturel sans artifice. Ces qualités ont fait de notre expérience ensemble un exercice plaisant de rationalité, d'efficacité et de grande visibilité pour notre organisation. Monsieur le Président de la République, soyez-en remercié. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre session se tient dans un contexte international marqué par des incertitudes inquiétantes, nourries de conflits géopolitiques, d'une gouvernance économique fragmentée, aux conséquences imprévisibles sur l'Afrique notamment. Ainsi, au cours des trois dernières années, la croissance économique mondiale a perdu son élan et l'inflation a enregistré des taux toujours plus élevés. Les relents du protectionnisme commercial, les taux d'endettement insoutenables et la crise énergétique induisent des coûts de production toujours en hausse. La question des financements de nos économies, notamment les infrastructures, demeure entière. Malheureusement, devant les promesses alléchantes de financement non tenues de nos partenaires, les États membres se trouvent dans l'obligation de s'endetter à des conditionnalités draconiennes, comme en témoignent les négociations en cours de certains de nos pays avec les institutions financières internationales. Face à une telle situation, il est impérieux que nos États membres se décident avec détermination dans leurs choix économiques et de développement. L'activation des mécanismes divers de résilience interne, de solidarité intra-africaine, de mise en œuvre rapide des institutions financières africaines, le tout porté par une gouvernance vertueuse, paraît, sans démagogie, être ici la voie du salut. La souveraineté collective et la solidarité auxquelles nous aspirons sont à ces prix. Le paradigme dans lequel on voit bras croisés la demeure du voisin brûlé doit impérativement changer si nous voulons rester crédibles. Ce paradigme-là est une forme de démission collective de la conscience qui n'a rien à voir avec notre culture et encore moins avec notre civilisation fondées toutes deux sur l'entraide. L'exemple choquant de ces réalités est aujourd'hui donné par les pays confrontés au terrorisme, lesquels se battent souvent seuls dans l'indifférence générale. Je comprends bien ceux qui s'interrogent avec amertume. Où est le panafricanisme? Disent certains. Où est la solidarité? Leur entendent d'autres. Où est la fraternité, répètent-ils tous en cœur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la montée du protectionnisme commercial nous contraint à accélérer avec davantage de force et de détermination notre projet d'intégration économique par l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les infrastructures, l'énergie et la digitalisation sont les piliers indispensables à la mise en œuvre de la ZELECAF, dont l'accélération a été retenue comme thème de l'année.
Cette opérationnalisation gagnerait à ce que le leadership africain que vous êtes lui donne l'impulsion décisive tant attendue, ne serait-ce qu'en rendant possible la libre circulation des personnes et des biens. Nos efforts de positionnement international doivent s'intensifier en faveur d'un multilatéralisme revivifié, propice à une présence dans les espaces où se prennent les décisions mondiales stratégiques. Dans cette logique, nous enregistrons avec satisfaction les progrès sur la voie de l'admission de l'Union africaine au G20. Notre espoir est que cette éventuelle accession puisse amplifier la voix africaine et permettre à notre organisation continentale d'apporter sa contribution propre aux solutions des problèmes du monde. Dans cet ordre d'idées, s'impose alors à la raison la nécessité de réformer la gouvernance mondiale dans ce qu'elle a de plus inique, dont l'exclusion de l'Afrique, du centre des membres, du cercle des membres permanents au Conseil de sécurité n'est pas la moindre des injustices. C'est le lieu de poser clairement l'urgence de la réforme de nos partenariats en se concentrant sur leur substance, leur finalité et leur mode de fonctionnement, plutôt que de ramener ce besoin de réforme au seul aspect des formats de tels partenariats dits stratégiques. Une évaluation sans complaisance de ces partenariats s'impose afin d'en sortir les résultats et, le cas échéant, de les adapter à nos besoins prioritaires. L'exemple nous est donné aujourd'hui par la place qu'occupe la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dans la configuration des agences et instruments de développement et de gouvernance en Afrique. Créée à un moment de l'histoire où l'Afrique ne disposait pas de structures pertinentes en ces domaines, la CEA a été très utile. Mais désormais, elle partage le même champ de compétences que les départements de la Commission, la ZLECAF, ODANEPAD. Il est dès lors souhaitable d'engager une réflexion dans le sens d'une meilleure harmonisation de ses objectifs et de ses finalités. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies, mon ami Antonio Guterres, qui n'en voit pas d'inconvénient. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'une des fragilités majeures de l'Afrique se manifeste dans les champs politiques et sécuritaires, les deux s'influençant mutuellement. Dans ces domaines, les efforts de construction nationale se heurtent ces derniers temps à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et la fragilité des États. Celles-ci sont par ailleurs alimentées par d'autres foyers, tels que l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques. Je voudrais saisir ici l'occasion de poser clairement la question des sanctions imposées aux États membres suite à des changements non constitutionnels de gouvernement. À l'évidence, ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés. Bien au contraire, elles suscitent la déviance des États concernés et paraissent sanctionner davantage les populations et impacter négativement les économies des pays visés. Il me paraît nécessaire de réexaminer le système de résistance aux changements non constitutionnels pour le rendre plus efficace contre le mal et plus soucieux des conditions économiques et sociales des populations. C'est sans doute l'un des angles sous lesquels la réforme du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine doit être sérieusement envisagé. Dans le panorama général, l'on constate avec fierté que l'Afrique et encore moins son organisation continentale ne vivent pas ces difficultés comme une fatalité insurmontable. L'Union africaine déploie sur le terrain des actions préventives, des gestions, des résolutions de conflits et des poursuites d'une grande variété de programmes et de projets multisectoriels. En dépit de quelques ombres, son bilan au titre de l'année 2022 est plutôt satisfaisant. Le rapport annuel du président de la Commission rend compte sans complaisance, mais sans autoflagellation, de ce bilan honorable à l'actif certes de la Commission, mais aussi et surtout
aux centaines d'hommes et de femmes dévoués à l'Afrique qui investissent nuit et jour leur intelligence et leurs immenses compétences au service de la noble cause. La feuille de route principale pour la poursuite de la mise en œuvre du projet phare, faire taire les armes sur la décennie 2020-2030, a gardé le cap sur son objectif. Ainsi, l'Union s'est-elle investie pleinement dans la résolution et l'atténuation de certaines crises sur le continent. Dans ces registres, nous pouvons mentionner la conclusion d'un accord entre les frères éthiopiens, ce qui m'offre l'occasion d'exprimer mes sincères félicitations aux partis et à leurs dirigeants. Merci, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed, de votre leadership et de votre volonté de faire la paix dans votre pays. Mes remerciements vont au président Olusegun Obasanjo et aux membres du panel dont le dévouement et la sagesse ont été remarquables. L'Afrique du Sud a offert son hospitalité et un environnement propice, qu'elle en soit vivement remerciée. Les pas franchis sur les voies de la réconciliation en Libye, attestés hier par le comité de haut niveau, les progrès au Soudan vers un accord politique inclusif et les avancées en Somalie avec la montée en puissance de l'armée somalienne et ses victoires contre les terroristes, les décisions pertinentes prises hier soir par le Conseil paix et sécurité sur la situation préoccupante à l'est de la RDC sont des signes probants que nous sommes globalement sur la bonne voie. Le terrorisme poursuit son extension au Mali, au Burkina Faso et dans la région du lac Tchad, avec des incursions sporadiques, non moins meurtrières, au Mozambique, au Bénin, au Togo. Nous avons ici besoin d'un sursaut national et international de solidarité concrète, décisive, immédiate avec les pays affectés. Le temps de la parole est ici fini. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sommet coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, du 20e anniversaire de l'Union africaine et de la première décennie de l'agenda 2063. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour soumettre à votre attention cette réflexion que m'inspirent ces anniversaires. Un rapide regard rétrospectif montre, en toute objectivité, que l'Afrique indépendante, depuis une soixantaine d'années, n'est pas encore totalement en paix. Elle n'a pas encore réalisé, au-delà des formes, l'essentialisme de son unité, ni atteint le niveau de prospérité que son âge et ses ressources auraient dû lui assurer. Je sais que le temps des nations n'obéit pas au même rythme que celui des humains. J'ose la comparaison pour évoquer les transformations réussies durant la même période par des régions du monde qui avaient au départ le même niveau de développement que l'Afrique. D'où vient-il alors que nous n'évoluons pas au rythme souhaité? Pourquoi nous ne progressons pas malgré nos formidables atouts humains et nos immenses potentiels en ressources naturelles? Après 6 années passées à la tête de la Commission, j'ai mesuré la complexité ainsi que les limites de l'exécutif continental qui dispose, avouons-le, de peu de marge pour mettre en œuvre les décisions formellement arrêtées par la conférence. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne faisons pas assez pour réaliser les grandes ambitions qui ont présidé à la création de notre organisation et de manière générale pour sortir du cercle vicieux, du cercle vicieux de la dépendance, du sous-développement, de l'éparpillement et des déficits patents d'intégration. N'ayons pas peur de le dire, nous mettons beaucoup d'enthousiasme dans l'élaboration des grands projets pour l'Afrique, dans la prise de certaines décisions, mais malheureusement, beaucoup moins de soins à leur réalisation, simplement par défaut de volonté politique agissante. Cette rupture entre paroles et actes est le principal facteur de désaffection des populations vis-à-vis de l'organisation continentale. Le phénomène est aggravé par la prévalence des intérêts nationaux, cristallisant chaque jour un peu plus les divisions et les clivages, affaiblissant ainsi les élans de la construction d'une Afrique parlant d'une seule voix intégrée, forte et prospère.
Je n'évoquerai que quelques actes fondateurs qui peinent à se réaliser du fait de cette absence de volonté politique. La libre circulation des personnes et des biens, le passeport africain, la création des institutions financières, ou du moins leur mise en œuvre, le marché unique des transports aériens en Afrique, le lancement des grands travaux, grands chantiers d'infrastructures intégratrices. Nous avons besoin dans chaque nation africaine d'une organisation autrement perçue, autrement soutenue, autrement instrumentalisée pour le plus grand bien de nos peuples, de leur liberté, de leur dignité et de leur prospérité. Je crois avec foi pouvoir compter sur votre engagement, votre sagesse et votre courage afin que se poursuive avec ténacité et ferveur l'œuvre entamée par nos pères fondateurs depuis l'aube des années 60. C'est à mon sens la meilleure façon de célébrer nos 60 ans. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Mr. Chairperson. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I have the distinguished honor now of inviting His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, sir. Your Excellency, President Macky Sall, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellency, President Azali Assoumani, incoming Chairperson of the African Union, Your Excellency, Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency, Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, Heads of State and Government, Distinguished Ministers, Ambassadors, Diplomats, and Invited Guests. It is a great honor for me to address you today and welcome you to your second home, Addis Ababa. I would like to congratulate Excellency Azali Assoumani, President of the Union of Comoros, on his deserved assumption of the Chair of the African Union. I also wish to congratulate Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, for his able leadership in steering our union at a very difficult time. Your Excellencies, this year marks 6 decades since our mother institution, the Organization of African Unity, was established. 60 years ago, our leaders gathered in this very city to chart a new path for all of us towards sovereign equality, pan-African unity, and economic solidarity. As I stand before you, I pay tribute to those foresighted founding fathers whose vision of African unity we are here to celebrate, nurture, and implement. In our efforts to realize the vision, we have accomplished significant victories, but also faced setbacks. However, there continue to be critical areas through which we can sustain and multiply our victories. Excellencies, when I stood before you last year on this same occasion, Ethiopia was just coming out of a costly conflict. This time, I am here to celebrate the signing on November 2nd, 2022 of the Pretoria Peace Accord between the Ethiopian government and the TPLF, which has led to the silencing of the guns. Thank you. Thank you. Ethiopia is where it is today in no small part because of the tireless efforts of the African Union
and the wisdom of its deeply held belief in the principle of African solution to African problems. One of the earliest and most powerful expression of this principle comes from the opening statement delivered by His Imperial Majesty Haile Selassie in his address to the first summit of the OAU in May 1963. His Imperial Majesty acknowledged that future disputes among African countries were only natural. But he also advised that when disputes arise, the effort to resolve them, open quote, must be confined to this continent and quarantined from the contamination of non-African interference, close quote. Today, each time we assert and reassert the principle of African solutions to African problems, we are only applying the timeless wisdom of our forefathers for the resolution of contemporary challenges. At the heart of the principle of African solution to African problems lies a belief in African solidarity, African agency, and the equal dignity of all human beings. Here in Ethiopia, we do not just insist on the principle of African solution for the resolution of our problems. We also present ourselves at the forefront in helping ourselves and fellow African countries to resolve challenges. Our leading role in peacekeeping mission, our peacemaking efforts in Sudan, Somalia, and South Sudan, and our recent successes in resolving our own long-standing no war, no peace relationship with Eritrea are prominent examples in this respect. Excellencies, ladies and gentlemen, while the principle of African solutions to African problems is widely raised in the scope of conflict, it is imperative that we begin to extend this principle to a wide range of peace and security issues. Continental food security and food sovereignty is one such issue. Our continent is not only well able to feed itself, but can become a breadbasket of the world. With 65% of the world's remaining uncultivated arable land in our backyard, we need to critically assess why 1/3 of the hungry people in the world are in our continent. In Ethiopia, we have been working diligently to enhance agricultural productivity in the past 4 years. We have commenced an initiative that encouraged smallholder farmers to farm in cluster that enabled them to benefit from irrigation and mechanization. Our laser focus on wheat productivity is bearing fruit, and our ambition to begin exporting wheat this year has already materialized, a great achievement for Ethiopia and an even greater achievement for our continent. Ethiopia is also undertaking a massive campaign to encourage both large and small-scale poultry, dairy, livestock farming, as well as urban agriculture through a national initiative we call Yelemat Turufat, loosely translated as Bounty of the Basket. These efforts are showing promising results. Not only will Ethiopia feed itself, we are confident that we can strongly contribute to global food supply through export and otherwise. The 2023 Dakar Declaration on Food Sovereignty and Resilience rightly acknowledged the continental awakening that it is time for Africa to feed itself and fully unlock its agricultural potential to feed the world. I call upon our African Union and development partners to support in unleashing this potential. Excellencies, sadly, the principle of African solution to African problems is not a silver bullet
to address all our challenges, because not all our problems are the products of our own making. The challenge of climate change is a case in point. We all know that Africa's contribution to global warming is insignificant, yet climate change is already affecting Africa more severely than any other part of the world. To this extent, climate change is an African problem, but its roots lies elsewhere. Global meetings on climate change are rich with the rhetoric of climate justice, the just transition, common but differentiated responsibilities of parties. These talks, however, are hardly ever backed up with action. And Africa cannot wait. Ethiopia is definitely not waiting for a solution to come from outside. Instead, we are doing all we can to contribute to climate change mitigation and adaptation. Over the past 4 years, Ethiopia's contribution through our National Green Legacy Initiative has mobilized over 25 million Ethiopians across the nation. Collectively, we have now planted well over 25 billion trees across the country. This impact could be equated to removing 64 million gasoline-powered cars from the roads for a whole year. For my country, investment in environment protection is not a charity. It is driven by enlightened self-interest. For us in Ethiopia, environmental protection is about everything we are as a society. It is about our ability to feed ourselves. It's about our ability to conserve water and other precious resources. It is about our ability to preserve peace between adjoining communities. It is about our survival as a nation. Excellencies, ladies and gentlemen, while Ethiopia's economy has been challenged by the COVID-19 pandemic, a drought, an internal conflict, and the impact of the Russia-Ukraine crisis, we have nevertheless remained resilient as a nation. Our homegrown economic reform program has also helped us to persevere. Through this reform program that has enabled the opening up of the economy to competition, some of the major service sectors that have been closed to foreign investment for several decades, such as telecom and finance, are being progressively opened. We know the COVID-19 pandemic and the current global commodity shortage hurts public finance everywhere. Forced to spend on tackling the pandemic while tax revenues collapsed, most of our countries piled up unsustainable debt. Now that the pandemic is over, nearly all of us want to put our economy back on growth trajectory. But this will not happen without sufficient restructuring to make our external debt sustainable. I therefore want to reaffirm our collective call for a fast and predictable global framework for debt restructuring that is conducive to accelerating sustainable, inclusive green growth in Africa. Excellencies, Africa today is leading voice for better world. Africa are increasingly resolving their differences by peaceful means. The African continent is fast-tracking the establishment and implementation of a rules-based system on trade governance that promises to create the world's largest free trade area. African countries are engaged in environmental conservation, reforestation, and a massive investment in the generation of clean energy from hydro sources. In short, Africa is leading the world in areas that matter for all humanity, and it is time for Africa's leadership
role to be recognized and institutionalized. I would like to use this opportunity to lend my voice yet again for Africa to be represented on the UN Security Council with at least one permanent seat and double non-permanent seats. Thank you. Moreover, Africa also needs to have proportionate representation at the G7, the G20, and similar global forums. Excellencies, ladies and gentlemen, on this same occasion last year, I called upon all of us to tackle Africa's typically negative portrayal by the global media. I stressed the need for Africa to tell her own story and not allow others to tell it in the service of their own interest. In this respect, please allow me to reiterate yet again the need to establish an African Union continental media house. Until Africa tells her own stories, her image will remain distorted. A distortion that affects not just how others view us, but also how we view ourselves. We owe it to ourselves and to our children that Africa's truths needs to be told as they are, untainted with external interests and biases. Excellencies, let me conclude by thanking you once again for standing with Ethiopia in our time of need. Ethiopia and Ethiopians are appreciative of the Pan-African solidarity that was on display in those difficult moments. Together, we prevailed. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. Your Excellencies, I now have the honor to invite Mr. Ahmed Abugait, Secretary General of the League of Arab States, to make a statement. فخامة الرئيس مكسال رئيس جمهورية السنغال دولة رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود صديقي العزيز أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة معالي السيد موسى فيكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن عميق اعتزازي بالتحدث أمامكم في هذه القمة الهامة وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لزميلي السيد موسى فقي على دعوته الكريمة التي تعكس الالتزام الراسخ بتمتين الشراكة المؤسسية بين المنظمتين والحرص المتبادل على استمرار التقليد المتبع بقيام كل منظمة بدعوة نظيرتها إلى مخاطبة قمتها السنوية كما أتوجه بخالص التحية إلى فخامة الرئيس مكسال على رئاسته الناجحة للاتحاد الإفريقي وأسمحوا لي أن أهنئ أيضا فخامة الرئيس عثمان غزالي على توليه رئاسة الاتحاد وأثق في أن قيادته الشخصية ستساهم كثيرا في الارتقاء بمستوى شراكتنا وتمتينها دعما لأولويات دولنا ونصرة لقضايا شعوبنا تنعقد هذه القمة في ظل وضع دولي دقيق ومضطرب فرضته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات التي نجمت عنها من تفاقم لأزمتي الغذاء والطاقة واللتين تعاني منهما الكثير من الدول العربية والإفريقية ولا شك أن هذه التحديات الخطيرة التي تواجه دولنا خاصة على الصعيد الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر جراء التضخم المصحوب والركود تدفعنا إلى تقاسم الخبرات وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للتعامل مع هذه الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة
إن التعاون العربي الإفريقي ومنذ تأسيسه في عام 1977 يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة للكثير من القضايا العالمية، وما من شك في أن المفتاح الحقيقي لعلاقات ناجحة ومثمرة هو الإدراك المتبادل من كل طرف لشواغل الطرف الآخر وتطلعاته، والرغبة الصادقة في الوصول إلى معادلة تحقق المصلحة للجميع عبر توظيف الإمكانات الهائلة الكامنة في هذه الشراكة في شتى المجالات لما فيه الخير للشعوب العربية والإفريقية. إن هذه القمة اليوم تنعقد تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو موضوع يتفق مع أهداف وأولويات الجامعة العربية. فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم خطوات تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، وأود التأكيد هنا على رغبتنا في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون والتكامل العربي والإفريقي، خاصة أن هناك مشروعا لتطوير منطقة تجارة حرة عربية إفريقية في خطة العمل العربية الإفريقية المشتركة. إننا نحتاج إلى مواصلة العمل وتكثيفه في المرحلة المقبلة، فمن المنتظر أن تعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة العام الجاري في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن التحديات والاستحقاقات المتعلقة بهذه الشراكة تتطلب عملا جادا وتقتضي جهدا متضافرا في التحضير الجيد لأعمال هذه القمة. إن ثمة حاجة لمراجعة خطة العمل العربية الإفريقية المشتركة مراجعة نهائية تمهيدا لاعتمادها، ونحتاج كذلك إلى تكثيف جهودنا لتعزيز عمل العديد من برامج التعاون العربي الإفريقي القائمة، مثل المعهد الثقافي العربي الإفريقي والمعرض التجاري العربي الإفريقي، فضلا عن العمل من أجل استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق العربي الإفريقي للحد من الكوارث والمركز العربي الإفريقي لتبادل المعلومات حول الهجرة، بالإضافة إلى تنظيم الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة العرب والأفارقة. من ناحية أخرى، لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات والأزمات التي تعاني منها بالفعل منطقتانا العربية والإفريقية. إنني أدعو في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون فيما بيننا لدعم الصومال ومساندة حكومته في جهودها المثمرة في مكافحة الإرهاب ودحر حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة الآثار المدمرة للجفاف، والعمل على إنجاح خطط التنمية الوطنية التي يتولى تنفيذها فخامة الرئيس حسن شيخ محمود. ونتطلع كذلك إلى مواصلة جهودنا التكاملية لمساندة جزر القمر وكل ما يصب في دعم استقرارها وخطط التطوير السياسي والاقتصادي التي أطلقها فخامة الرئيس عثمان غزالي، كما نؤكد على التزامنا في الوقوف إلى جوار السودان ومساندته من أجل استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية، خاصة من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، ونثمن في هذا الخصوص مشاركة الاتحاد الإفريقي في رعاية عملية وساطة فعالة من خلال آلية العمل الثلاثية. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا والذي يمثل أولوية مشتركة ومهمة لنا كشركاء في العالمين العربي والإفريقي، فإننا ندعو كافة الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها وتنهي وجود الميليشيات والقوات الأجنبية، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار. أصحاب الفخامة، سيدات والسادة، إن الفلسطينيين يعانون تحت نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية، وفي الشهور الأخيرة تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية والقمع ضد الفلسطينيين على نحو
ينظر بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، وللأسف فإن هذا يحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن حل الدولتين، مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية لا تؤمن بهذا الحل وتسعى للسيطرة على الأرض عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان كما يحدث في مدينة القدس التي تتعرض لمخطط واضح من أجل تهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها. إننا نثمن عالياً الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة، كما أحيي على وجه الخصوص أخي السيد رئيس المفوضية على دوره القيادي المناصر لإخوتنا الفلسطينيين، وأثق في أن أفريقيا ستبقى على التزامها المعهود بالوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني. ولا يسعني في الختام سوى أن أعبر عن تطلعنا لالتئام قمتنا العربية الإفريقية الخامسة في نوفمبر من هذا العام، والتي ستنعقد بمشيئة الله في السعودية، وقد انطلقت عملية التحضير الجاد لها بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والدولة المضيفة، وستفضي هذه القمة كما نتطلع جميعا ونتمنى إلى تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا الاستراتيجية على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمعنا، ويكون عنوانا لقدرتنا المستمرة على العمل معا لخير الشعوب الإفريقية والعربية. وشكرا لكم جزيلا. Thank you, Mr. Secretary General. Excellencies, ladies and gentlemen, may I now invite His Excellency Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General, to deliver his statement. Your Excellency and dear friends, President Macky Sall, Your Excellency and dear friend, the Chairperson Moussa Faki Mahamat, dear Prime Minister Abiy Ahmed, dear colleague Secretary General Abu Gait, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. Let me begin by recognizing President Macky Sall for his leadership as chair over the last year. President Assoumani, we look forward to working with you as incoming chairperson. And I want to commend all of you for uniting around the theme of an integrated, prosperous, and peaceful Africa. The African Union is taking inspiring steps to help realize the enormous potential of this great continent. Africa is poised for progress. Agenda 2063. The decade of women's financial and economic inclusion, the continent's abundance of natural resources, and its greatest advantage of all, its people, representing diverse range of cultures and languages. In particular, I'm pleased to see your strong focus on job creation and the enormous potential of the African continental free trade area. This represents a truly transformative pathway to job creation and new sources of prosperity for Africans, especially for the youth. And I applaud the exciting progress that has been made so far and the commitment of President Issoufou as champion of this important effort. The United Nations is proud to be your partner and to work together. The ties between the African Union and the United Nations have never been stronger. But I also recognize the enormous tests that Africa, and indeed our world, is facing on virtually every front. I recently addressed the UN General Assembly on the multiple interlinked challenges confronting our world, greater than any in our lifetimes. And in many ways,
The people of Africa are bearing the brunt of this crisis. A dysfunctional and unfair global financial system that is failing developing countries when they need it most. The deep inequalities in the availability of resources for the recovery from the pandemic. A cost of living crisis exacerbated by the consequences of the Russian invasion of the Ukraine. Climate chaos that the people of Africa did very little to cause, that is whipping up floods and deadly droughts, putting communities and lives at risk and displacing millions. And peace and security threats, often involving interests and profits far beyond the continent's borders. Excellencies, across all these areas, the message is clear: Africa needs action. First, economic action. Africa is rich with potential, but it's not rich in global support. Investing in Africa pathways to prosperity requires finance, and developing countries are repeatedly left in the lurch. The global financial system routinely denies them debt relief and concessional financing while charging extortionate interest rates. As a result, vital systems are starved of investment, from health and education to green technology, social protection, and the creation of new sustainable jobs. Meanwhile, women and girls are still not receiving the support and the investment they need, and in the classroom, in the workplace, in civil society, and across political systems. African countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder with one hand tied behind their backs. I've called for a new Bretton Woods moment to radically transform the global financial architecture. The beating heart of this system, the every decision mechanism and process should be centered in the needs of developing countries. They should have a far greater voice in global institutions, including financial institutions. Security Council, the Bretton Woods system are typical examples where Africa is dramatically underrepresented. We need a new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries, including middle-income countries, while providing immediate debt suspension and write-downs to countries in need. Multilateral development banks should transform their business model and accept a new approach to risk. And this includes massively leveraging their funds to attract greater flows of private capital into your countries. And it means scaling up guarantees and adopting first loss positions in coalitions of financial institutions to support developing countries, particularly in Africa. I will also continue pushing G20 leaders for an SDG stimulus to support the Global South. The SDG summit in September must be a breakthrough moment in delivering support for developing countries and reforming a broken global financial system. I will continue standing with you in this fight. Second, Africa needs climate action. The brutal injustice of climate change is on full display with every flood, drought, famine, and heat wave endured on this continent. The countries least responsible for this crisis are feeling its most devastating impacts. Meanwhile, several African countries are demonstrating strong leadership on climate. This includes Kenya's green economy strategy, the effort to protect the tropical forests of the Congo, South Africa's Just Transition Energy Partnership, and the EU's ambitious green stimulus program. I'm encouraged by the leading role of the African small island states, role they are playing in championing the Great Blue Wall initiative. It is clear the world must decarbonize, but we need to ensure that the transition to renewable energy is a just transition, particularly in Africa, where energy access and development challenges must be properly addressed. This includes wider access to technologies like battery storage systems, components, and raw materials. The upcoming transboundary battery and electric vehicle value chain initiative, hosted by DRC and Zambia, is a good example. But all these efforts must be matched by a tidal wave of support from developed countries.
They must deliver on the $100 billion US dollars promised to developing countries. They must deliver on the loss and damage fund agreed to at the last COP in Sharm el-Sheikh. They must deliver on doubling adaptation finance. They must deliver on replenishing the green climate funds. And deliver on plans for early warning systems to protect every person in the world within 5 years, including the 6 in 10 Africans who lack these systems. In September, I will convene a climate ambition summit in our pathway to COP28 in December, where governments, businesses, and civil society will demonstrate their commitment to reach net zero. Et troisièmement, l'Afrique a besoin d'action pour la paix. L'ONU est fière d'être un partenaire de paix en Afrique. Qu'il s'agisse de nos forces hybrides et programmes conjoints, du renforcement des processus électoraux et des transferts pacifiques de pouvoir, de nos efforts de maintien et de consolidation de la paix, ou encore de nos initiatives conjointes visant à mettre fin au terrorisme à travers le continent. Mais notre travail devient chaque année plus complexe. Le terrorisme et l'insécurité s'aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observée récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Je souscris à l'appel que vous avez lancé en faveur du rétablissement de gouvernements civils et démocratiquement élus au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Soudan. Nous savons que la paix est possible. L'accord de cessez-le-feu conclu ici en Éthiopie sous l'égide de l'Union africaine, et je félicite le Premier ministre Abiy Ahmed pour le succès du processus, le cessez-le-feu instauré en Libye et les accords de paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi que les avancées observées en Somalie, sont autant de nouvelles porteuses d'espoir. Nous devons continuer à lutter pour la paix. Néanmoins, pour parler sans détour, les mécanismes de paix vacillent. Le système n'est pas aussi souple et efficace qu'il devrait l'être. Le nouvel agenda pour la paix que nous proposons au sein des Nations Unies vise à donner un nouveau souffle au multilatéralisme et renforcer nos opérations de paix dans le monde. Il est pensé selon une vision holistique, identifiant les causes profondes des conflits et empêchant les graines de la guerre de germer. Il doit définir une approche globale de la prévention qui fait le lien entre la paix, le développement durable, l'action climatique et les droits humains et qui s'appuiera sur une participation plus large des femmes et des jeunes. Et nous sommes déterminés à intensifier le travail que nous menons avec l'Union africaine pour promouvoir des structures de gouvernance démocratique et ouverte. Nous continuerons à renforcer et améliorer les opérations de maintien de la paix. Mais dans le même temps, et j'insiste sur ce point, nous appuyons sans réserve la création d'une nouvelle génération d'émissions robustes d'imposition de la paix et d'opérations de lutte contre le terrorisme dirigées par l'Union africaine et dotées d'un mandat du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 ainsi que d'un financement garanti et prévisible, y compris par les contributions obligatoires. Et nous devons continuer de renforcer notre collaboration sur des initiatives de paix majeures, comme nous l'avons fait avec le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Je me réjouis d'œuvrer à vos côtés pour faire taire les armes et créer les conditions pour la paix, une paix indispensable aux 1,4 milliard de personnes vivant en Afrique. Excellence, le 21e siècle a tout pour être le siècle de l'Afrique. Et l'ONU est déterminée à travailler avec chacun et chacune d'entre vous pour libérer cet énorme potentiel et surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Agissons pour l'Afrique et je vous remercie.
Thank you, Mr. Secretary General. I now invite His Excellency Dr. Mohamed Shitaye, Prime Minister of the State of Palestine, to make a statement. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الوفود فخامة الرئيس ميكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة رئيس الاتحاد الإفريقي الأخ العزيز موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دولة الصديق أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الصديقة معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الأخ العزيز معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأخ أحمد أبو الغيض يسعدني ويشرفني أن أتحدث إليكم نيابة عن الرئيس محمود عباس وعن فلسطين وعن شعبها ونضالها وأقدم التهنئة للرئيس ميكي سال على حكمته في إدارة الاتحاد خلال فترة رئاسته وأهنئ الرئيس عثماني على انتخابه أيها القادة الأفارقة أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأتحدث هنا باسم فلسطين وإن دعوتي على هذه المنصة هي رسالة من إفريقيا أنها مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف من هذا المنبر منبر إفريقيا منبر الاتحاد الإفريقي منبر الصداقة بين الشعوب منبر قيادات إفريقيا منبر الرؤية والرسالة لشعوب إفريقيا والعالم منبر إفريقيا الحرة التي هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبل مشرق لأبنائها وشعوبها إفريقيا التي هزمت نظام الأبرتايد العنصري المبني على التمييز والكراهية اليوم إفريقيا تتغنى بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيداً عن الحواجز العسكرية والجمركية أحييكم على وقفتكم مع فلسطين ونحن في فلسطين كنا دائماً على ذات الجبهة مع إفريقيا ومع حركات التحرر الإفريقية وفرحنا عندما أنجزت إفريقيا تحررها واليوم حضورنا هنا معكم لنؤكد على استمرار وقوفنا سوياً من أجل رفاهية إفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة ونقف من أجل تعزيز الحوار العربي الإفريقي الذي نحن جزءاً منه في فلسطين نحن نسير على ذات الطريق التي سارتها إفريقيا في مواجهة الاستعمار الكولونيالي ولكن أنتم سبقتونا نحو التحرر ونحن لازلنا على الطريق نواجه آخر استعمار على هذه الأرض الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لأرض فلسطين هذا الاستعمار
الذي توجته مؤخرا الحكومة الإسرائيلية الجديدة يأخذ نوع جديد من الإرهاب في سياسة shoot to kill policy ومزيد من مصادرة الأرض وتحويل أصحابها إلى لاجئين ومزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية المبنية على العنصرية والتطرف وبها مزيد من الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والخليل الحكومة الإسرائيلية الحالية دعت الإسرائيليين إلى حمل السلاح ليكون القتل أسهل وسنت القوانين العنصرية بما يسهل مصادرة الأراضي والاستيطان وخلق نظام عنصري مبني على نظام مزدوج طرق للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين مباني الفلسطينيين تهدم والمستعمرات تبنى باصات للمستوطنين فقط مدارس للمستوطنين فقط نظام أبرتايد بالممارسة والتشريع يبني بيت للمستوطنة ويهدم بيت للفلسطينيين سيدات والسادة هذا الاستعمار يسرق أرضنا ويسرق أرواح أطفالنا في 46 يوم الماضية قتل 50 فلسطيني على أيدي هذه الحكومة المتطرفة هذه الحكومة التي تسرق الأرض والجغرافيا وتقتل الإنسان وتبعد الديموغرافيا وتسرق المال وتزور الرواية وتحاصر أهلنا في قطاع غزة وهي بكل هذا تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي وتشرعن القتل وإبعاد الفلسطينيين من بيوتهم بعد هدمها السيد الرئيس إن السياسة الإسرائيلية الحالية مبنية على supremacy of racial segregation and it's in its statement the current Israeli government explicitly stated that the Jewish people have an exclusive right to all parts of the land of Israel i.e. in reference to the land of Palestine. What does this mean? This means more settlements. This means squeezing the Palestinians into Bantustans. This means institutionalization of racism. This means Israeli settler colonial regime is in nature a regime with a clear apartheid policies and practice with a legal system. This means the Judaization of the land and the de-Palestinization of Palestine. This means violation of international convention on the elimination of all forms of racial discrimination and amounts to crimes under apartheid convention and the Rome Statute of the ICC. Ladies and gentlemen, quiet diplomacy does not yield with Israel. All what is needed is loud voice and action. Let's make the Israeli occupation to Palestine costly. This occupation makes profit. Israel takes our land for free. Israel takes our water for free. Israel kills our children in a not accountable way. 6,451 Palestinians are in Israeli prisons. Israel keeps the bodies of dead Palestinians in Israeli jails until they finish the sentence. This has never happened all through history.
to keep dead bodies in refrigerators, not to enjoy a dignified way of burial. This has never happened in any part of the world. We have adopted a peaceful resistance, passive resistance. On the ground, our people are fully mobilized, and our people are not silent. And we are there to break the status quo, which Israel is every single day trying to deteriorate this status quo. And we are working on the internationalization of the conflict. Tomorrow, Mr. Secretary General, the Security Council will vote on a proposal submitted by the Arab bloc at the United Nations, calling for Israel to refrain from all unilateral acts that is taking against our people, and calling upon Israel to commit itself to the, and respect the signed agreements between us and them. We know that the United States will veto this. But for how long can the international community continue to be silent on these crimes? It is time that we hold Israel responsible. It is time that we all stand solid and submit proposal to hold Israel responsible at International Criminal Court as well as at the International Court of Justice. Mr. Chairman, we live in a political vacuum, and this political vacuum is very dangerous. We need to fill this political vacuum. We need to bring to life the Arab Peace Initiative that did call for the withdrawal of Israeli forces from the Arab-occupied territories since 1967. And the Palestinians, the Arabs, and the Muslims are ready for normalizing relation with Israel on the basis of the Arab Peace Initiative. It's not only that. The systematic destruction of two states needs to be stopped. And I hope that we all send a clear message to the Israelis that this is not going to take them anywhere. The demographic balance in Palestine is in our favor. The first time since 1948, the creation of the State of Israel, the Palestinians are more in numbers than the Israelis. There are 7 million Israelis there in historical Palestine. There are 7,350,000 Palestinian Muslims and Christians. A minority Israelis will be governing the affairs of majority Palestinians. This will lead us to a situation in which one can call it the South Africanization of the Palestinian question under the regime of apartheid. We call for a peaceful negotiation based on a two-state solution. And that is where we stand, and that is what the whole international community wants. Mr. Chairman, we're working to unite our internal front, thanks to Algeria for all the effort that they have conducted to bring Palestinians together. Thanks for Egypt for all what they have done. Thanks for Africa for hosting me. Thanks for all of you who stand solid for peace and justice. Long live the Palestinian-African friendship. Long live the Arab African friendship. God bless you. Thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have now reached the apex of our continental organization, and it is time to listen to the chairperson, entrusted with the core responsibility of steering the affairs of our union. He leads the Assembly of the Union, the highest organ. The Assembly decides on all policies of our union,
It establishes the priorities of the Union, decides on the annual program of the Union, and monitors the implementation of its policies and decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, may I now humbly invite His Excellency President Macky Sall of Senegal and Chairperson of the African Union to address the Assembly. Your Excellency, sir. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, cher Antonio Guterres, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Dr Mohamed Staïch, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Mohamed Moussa Faki Mohamed, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe, Monsieur Ahmed Abdul Gayed, distingués invités, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités spéciaux, je voudrais distinguer parmi eux M. Charles Michel, président du Conseil européen, ainsi que M. Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Je voudrais avant toute chose dire au Premier ministre palestinien que nous avons entendu votre plaidoyer vibrant. Je voudrais de cette tribune renouveler notre attachement, l'attachement de l'Afrique, à la solution pacifique avec deux États vivant chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. La Palestine mérite d'avoir son État comme l'État d'Israël. Excellences, en votre nom et au mien propre, je remercie le gouvernement éthiopien pour son accueil convivial et les dispositions prises en appui à l'organisation de notre sommet. Je salue et remercie tous les collègues, chefs de délégation et invités présents. Nous tenons nos assises alors que nos pays continuent de subir de plein fouet les effets combinés du changement climatique, d'une crise sanitaire inédite et d'une guerre majeure qui plonge le monde entier dans une séquence dangereuse et incertaine dont personne ne peut prédire comment et quand elle finira. S'y ajoute l'avancée du terrorisme sur le continent. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour votre engagement. J'espère que le Conseil de sécurité vous suivra. La persistance des conflits anciens ou nouveaux et la recrudescence des changements anticonstitutionnels. Il faut saluer la tenue d'élections libres et transparentes qui confirment l'ancrage de la démocratie dans nombre de pays africains. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. Cette lutte, comme je l'ai indiqué dans mon adresse
à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette lutte relève aussi de la responsabilité du Conseil de sécurité, qui est le garant du mécanisme de sécurité collective, parce que l'avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Il est heureux que le secrétaire général des Nations Unies ait pris cet engagement qu'il a toujours pris par ailleurs, pour que le Conseil de sécurité finance de façon absolue la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et comme il l'a fait ailleurs, le Conseil doit mieux s'engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique avec des mandats plus robustes, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, et un financement plus adéquat. En tout état de cause, le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent nous engage à déposer les armes et à trouver des solutions pacifiques à nos différends afin de mieux nous consacrer aux tâches de développement économique et social. C'est en cela que l'exemple de l'Éthiopie est à saluer. Mais aussi, je salue tous les efforts du président de l'Angola sur la crise entre le Congo et le Rwanda. Avec la reconfiguration géopolitique du monde, une opportunité historique s'offre à nous de fermer l'ère de l'Afrique des problèmes et ouvrir la voie de l'Afrique des solutions. Nous en avons tout le potentiel, parce qu'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,4 milliard d'habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traîne du monde. L'émergence de l'Afrique est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l'agenda pour le développement économique et social du continent, et que nous avions déjà actualisé cette année cet agenda sur les sommets qui ont porté sur l'industrialisation et la diversification économique du continent, sur l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF, sur la masculinité positive contre les violences faites aux femmes et aux filles, initié par le président Tshisekedi, que je salue, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et enfin, sur le financement des infrastructures. Ces thématiques, mesdames et messieurs, rappellent les urgences auxquelles nous devons nous attaquer afin de réaliser l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles sur le continent et de notre grand retard en matière d'infrastructure, j'appelle l'Union à prendre des décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques, la masculinité positive et les infrastructures. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Ainsi, sur la base de leur programme prioritaire, plusieurs pays ont déjà signé avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux des compacts visant à stimuler la production, la transformation, le commerce agricole pour un montant, tenez-vous bien, de 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars
dont 10 milliards mobilisés par la Banque africaine de développement. J'exprime toute notre gratitude à tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux qui ont été présents, mais surtout pour leur engagement et leur contribution. Je remercie vivement notre frère, le président Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour l'enthousiasme et le leadership avec lesquels il continue de mobiliser la BAD pour aider à libérer le potentiel agricole du continent et mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les excellents résultats de Dakar 2 en témoignent. Je suis sûr que nous pouvons compter sur lui pour la mobilisation effective des financements annoncés. Afin d'assurer le suivi adéquat de la conférence, je recommande que le sommet endosse la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience et instruise la commission de travailler à sa mise en œuvre en collaboration avec notre banque continentale, la BAD. Il serait, mesdames et messieurs, tout aussi indiqué d'intégrer dans le même processus le suivi de la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique, peut-être que nous irons bientôt vers les États-Unis d'Afrique, de décembre dernier. À cette fin, j'ai mis en place une task force conduite par l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, qui a travaillé avec une équipe que je dois féliciter, avec Strive Masibira, sous la recommandation du président Cyril Ramaphosa, ainsi que Mme Vera Songwe, qui était à la CIA, et M. Daoudou Sembène. Cette équipe va travailler et devra continuer à travailler avec le Premier ministre Ibrahim Mayaki, qui a été désigné par le président de la Commission, et tout cela sous l'autorité du président Azali. Je pense que nous pourrons atteindre les objectifs de cette déclaration de Washington pour travailler avec la partie américaine. Il s'agit concrètement à court terme d'assurer aux pays africains l'approvisionnement en produits céréaliers et en fertilisants aux conditions normales du marché. Aux conditions normales du marché dans le court terme. À cet effet, nous pourrions utiliser la plateforme ATET en collaboration avec Afrique Exim Bank, dont je salue également le président très engagé dans cette cause, le professeur Orama. Ceci pour faciliter les transactions en matière d'achat de céréales et de fertilisants. À moyen et long terme, la déclaration de Washington nous engage à travailler avec la partie américaine et d'autres partenaires, européens notamment, pour améliorer les performances agricoles du continent dans tous les aspects, y compris sur l'aspect infrastructure. Excellentes mesdames et messieurs, l'Afrique que nous voulons, c'est aussi une Afrique qui réfléchit par et pour elle-même. Une Afrique qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Une Afrique pleinement intégrée dans la gouvernance mondiale et qui s'engage avec ses partenaires dans une éthique relationnelle. Réinventé, fondé sur des partenariats co-construits et respectueux de la diversité des valeurs de culture et de civilisation. C'est le plaidoyer que j'ai porté en votre nom au 6e sommet Europe-Afrique de Bruxelles, au conseil de l'OCDE à Paris, au sommet du G7 d'Elmao, à la TICAD 8 de Tunis, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la COP 27 de Sharm el-Sheikh, au sommet du G20 de Bali et au 2e sommet États-Unis-Afrique à Washington.
À toutes ces étapes, j'ai réaffirmé qu'en ces temps de mutation profonde, travailler ensemble requiert une autre façon de penser le monde, une autre façon d'agir entre partenaires respectueux de leurs valeurs communes et de leurs différences. Sur la gouvernance mondiale, il est clair que la réforme du Conseil de sécurité ne connaît pas d'évolution significative. Et nous devons poursuivre ce combat. Par contre, s'agissant de la gouvernance économique et financière mondiale, je suis heureux d'annoncer que le processus d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20 est en bonne voie suite aux démarches que j'ai effectuées dans ce sens aussitôt après ma prise de fonction. À ce jour, 10 des 20 membres du groupe, donc du G20, ont exprimé publiquement leur soutien, notamment dans l'ordre chronologique. L'Union européenne à travers le Conseil européen, Charles Michel, la France, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Turquie et la Grande-Bretagne. En votre nom, je leur renouvelle nos chaleureux remerciements pour ce soutien amical et solidaire. L'Afrique s'en souviendra. J'espère que les autres membres du groupe rejoindront cet élan consensuel pour que l'adhésion de l'Afrique soit actée au prochain sommet du G20 en Inde. D'autres défis non encore résolus demandent une prise en charge continue. Je pense à l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette et la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux. L'une et l'autre, censées accompagner nos efforts de résilience et de relance économique, restent encore dans l'impasse. Je pense à la transition énergétique juste et équitable, qui nous permet d'exploiter nos ressources disponibles pour satisfaire nos besoins d'industrialisation à des coûts compétitifs et assurer à nos pays l'accès universel à l'électricité, dont plus de 600 millions d'Africains aujourd'hui restent encore privés. Je pense à la perception exagérée du risque d'investissement en Afrique. Dans mon adresse de prise de fonction du 5 février 2022, ici même, je disais que nos économies sont sous-financées et sont mal financées parce que nos pays continuent de payer de façon injuste des taux d'intérêt trop élevés à cause d'un système inéquitable d'évaluation du risque d'investissement. Cela a été confirmé par plusieurs études, dont le rapport 2022 sur le financement du développement durable, rapport publié en avril 2022, qui a relevé en termes explicites la sévérité des agences vis-à-vis des pays du Sud et leur relative indulgence à l'égard des pays industrialisés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport. Ainsi, en pleine pandémie, en 2020, 18 des 32 économies africaines, des pays africains, qui ont été évaluées par au moins une des grandes agences, 18 sur 32 ont vu leur notation dégradée, soit 56% contre une moyenne mondiale de 31%. À l'inverse, et je cite le rapport toujours, les pays développés qui ont connu une augmentation de leur dette après la crise, la pandémie et la guerre, et qui ont connu un ralentissement économique beaucoup plus important, ont largement échappé aux dégradations. Ce qui renforce leur accès à un financement de marché abondant et abordable. Fin de citation. C'est toujours sur le rapport 2022.
Le document relève en outre la défiance des agents de notation vis-à-vis de l'initiative de suspension du service de la dette, pourtant décidée de façon consensuelle par le G20, qui est l'instance habilitée en la matière. Plusieurs pays africains ont ainsi vu leur notation mise sous surveillance avant même leur participation à l'initiative sur la suspension des intérêts de la dette, ce qui a naturellement contribué à aggraver la perception du risque de ces pays et à dégrader leur notation comme si les agences s'érigeaient en instance de régulation au-dessus des institutions intergouvernementales. C'est pourquoi le rapport recommande l'adoption de méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Je rappelle, mesdames et messieurs, que cette étude qui fait autorité a été réalisée par une soixantaine d'institutions multilatérales, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. Tout cela montre que nos efforts de développement ne pourront prospérer tant que perdurent certaines règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale. Et vous avez raison, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Certes, nous avons la responsabilité première de créer les conditions de développement de nos pays, mais notre sort dépend aussi d'institutions et règles qui datent de l'après-guerre et qui ne prennent pas suffisamment en compte les besoins et intérêts de nos pays. J'appelle par conséquent les pays membres de l'Union et la Commission à participer activement à l'initiative de Bridgetown sur la réforme de l'architecture financière mondiale, dont l'agenda 2023 prévoit 6 rendez-vous entre les réunions du Fonds et de la Banque en avril et la COP28 à Abu Dhabi en décembre. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de mon mandat, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre confiance. Je remercie les chefs d'État, mes collègues. Je remercie particulièrement notre frère Moussa Faki Mahamat pour son leadership et son soutien. J'associe l'ensemble des membres de la Commission et toutes les autorités des institutions africaines. Servir notre continent a été pour moi un privilège et une grande fierté parce que je crois en une Afrique unie, une Afrique debout, une Afrique au travail, une Afrique en paix et confiante en son avenir. Cela me détermine à rester encore plus motivé au front du combat pour l'Afrique, partout, pour tout et tout le temps. Parce que c'est la responsabilité que nous confère l'héritage du panafricanisme pour réaliser le rêve des pères fondateurs et les aspirations de nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite plein succès à nos travaux et surtout plein succès à mon successeur, mon frère et ami, le président Azali Ousmane Dekomon, qui est aussi mon marabout. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, je vous remercie. Thank you, Mr. President. We proceed now to the announcements
on the new Bureau of the Assembly. In this connection, I now invite Ambassador Asumani Yusuf Monda, Ambassador of the Union of the Comoros to Ethiopia and to the African Union, to come to the podium and announce the new Bureau of the Assembly. Ambassador. Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'Union africaine au titre de l'année 2022, Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique d'Éthiopie, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur en notre capacité de doyen général, conformément à notre règlement intérieur de la conférence, de vous livrer la composition du bureau de la conférence connu du Bureau de l'Union africaine pour l'exercice 2022. Pour la présidence 2023. Président, la région Est, Union des Comores. Premier vice-président, la région Nord, les consultations sont en cours. Deuxième vice-président, la région Australe, la République de Botswana. Troisième vice-président, la région Centre, la République de Burundi. Rapporteur du Bureau de la Conférence, la République du Sénégal pour la région Ouest. Voilà, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président, la composition du nouveau Bureau au titre du mandat 2023, et je vous remercie. Thank you, Mr. Ambassador. I now invite His Excellency President Macky Sall of the Republic of Senegal and Chairperson of the African Union to deliver his handover statement. Merci beaucoup. Au nom de la conférence de l'Union africaine et à mon nom personnel, je voudrais saluer et féliciter le nouveau président de l'Union, notre frère Azali Assoumani, de l'Union des Comores et les membres du bureau pour leur élection. Je souhaite que la région africaine du Nord puisse trouver le consensus le plus rapidement possible. Je leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur mandat. C'est une tâche délicate au regard du contexte continental et international, mais nous sommes pleinement confiants dans leur capacité de mener à bien cette charge au nom de notre Union et dans l'esprit du thème de ce 36e sommet qui porte sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est un grand défi qui nécessite la mobilisation de tous, au-delà du président et des membres du bureau. Je voudrais pour ma part redire
mon engagement à travailler avec le président Azali et tous les collègues dans ce sens. Je souhaite maintenant, Monsieur le Président, vous passer le témoin, cher frère Azali, en te renouvelant nos voeux et nos prières, et je vous prie en même temps de bien vouloir vous rapprocher de votre siège. Merci beaucoup. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now humbly invite His Excellency Mr. Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance statement. Your Excellency. Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, Messieurs les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter tout d'abord, en votre nom à tous et au nom de toute l'Afrique, nos condoléances attristées ainsi que notre profonde compassion au peuple frère de Turquie et de la Syrie, suite aux séismes meurtriers qui ont secoué leur pays, faisant des dizaines de milliers de morts et des dégâts matériels immenses. Je vous demanderai alors, honorable assistance, de bien vouloir vous joindre à nous pour observer une minute de silence en mémoire de nombreux disparus. Merci. Je voudrais ensuite adresser avec beaucoup d'émotion mes très sincères remerciements aux membres du Bureau de l'Union africaine qui viennent de faire un grand honneur à mon pays, l'Union des Comores, en lui confiant, et ce pour la première fois de son histoire, les destinées
de notre organisation continentale. Je remercie en outre mes chers collègues, frères et sœurs des pays de l'Afrique de l'Est pour avoir soutenu ma candidature à cette noble fonction et plus particulièrement mon cher frère, le président William Ruto, qui a eu l'élégance de retirer la candidature de son pays, le Kenya, ce qui permet aujourd'hui l'accession historique de l'Union des Comores à cette noble fonction. J'ai d'autant plus conscience de cet honneur comme un pays, incarnation même d'un État insulaire en développement, n'a accédé que tardivement à l'indépendance avec une superficie très réduite et une population de moins de 1 million d'habitants, en permettant à l'Union des Comores de diriger le continent africain. Notre organisation vient de prouver au monde sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. Ainsi, en succédant dans cette enceinte sacrée à mon frère, le président Macky Sall, en qualité de président en exercice de l'Union africaine, c'est avec le poids de la responsabilité continentale sur mes épaules que j'entends assumer à compter d'aujourd'hui les fonctions de président de l'Union africaine en cette 36e session ordinaire. Il ne sera pas facile de lui succéder, mais je ferai de mon mieux pour poursuivre son œuvre, et entre autres en privilégiant, comme il a toujours su le faire, le dialogue, l'écoute, le rassemblement, condition indispensable pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Et permettez-moi ensuite d'exprimer au nom de toutes les délégations ici présentes notre profonde gratitude aux trois hautes autorités, au premier desquels mon frère, le Premier ministre Abiy, et au peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a toujours été réservé dans cette ville capitale d'Addis Abeba, la nouvelle fleur. Cette nouvelle fleur qui a toujours exhalé aux quatre coins du continent et du monde le parfum de nos ambitions communes pour notre mère patrie, l'Afrique. Excellences, honorable assistance, vous me permettrez de saisir cette opportunité pour saluer la mémoire des pères fondateurs de l'Afrique, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, Mobutu Keïta, Kenneth Kaunda, Sylvain Olympio, entre autres. Certes, les temps ont changé, toutefois, ces modèles idéologiques qui incarnent l'idéal incarnation africaine continuent toujours d'inspirer nos pensées, nos actions et la marche en avant. Dans cet esprit, je voudrais aussi rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué en 1999 à l'élaboration de la déclaration de Sirte, qui a jeté les bases d'une Union africaine moderne, visible, lisible et audible, disposant à sa tête d'une autorité morale et politique incarnée par un président en exercice. C'est cette autorité que le président Macky Sall a portée avec dignité et discernement pendant ces 12 derniers mois. Cher Macky, vous avez plaidé inlassablement pour la paix et l'intégration africaine, pour la défense et les intérêts de notre continent, dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Vous avez réussi à créer le consensus autour de l'accession de l'Union africaine au rang de membre de plein droit permanent au G20. Merci, cher Macky, pour ce bilan éloquent qui nous honore, qui honore le Sénégal et qui vous honore et continue à honorer le continent africain dans son ensemble. Je remercie également notre cher frère, Son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail assidu,
et leur investissement remarquable en faveur de notre organisation. Honorable assistance, le monde et nos pays en particulier traversent aujourd'hui une période trouble, instable, et à bien des égards imprévisible. Alors que nos pays sortaient à peine de la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le monde, la COVID-19, ils subissent de plein fouet les conséquences de cette nouvelle crise russo-ukrainienne. Durant l'année 2022, la croissance n'a pas dépassé les 3%, alors que les taux de natalité, notamment en Afrique, demeurent très élevés, absorbant sans trêve les efforts consentis par les États en matière sociale et infrastructurelle. 22 États africains sont aujourd'hui, selon la Banque mondiale, en situation de détresse au regard de leurs dettes et concentrent une part notable des 1 071 milliards de dollars de dette extérieure du continent. Pour une viabilité de la dette africaine, nous exhortons la mise en place d'un cadre commun de règlement de cette dette qui sera plus inclusif et intégrant les créanciers bi- et multilatéraux et aussi les créanciers privés avec un soutien renforcé du Fonds monétaire international. Et nous saluons dans ce sens le rôle important qu'a joué la directrice générale du FMI, Mme Kristalina, qui ces dernières années a soutenu les pays africains, notamment en matière de gestion et de restructuration de la dette, mais aussi de coordination entre les créanciers bilatéraux à travers l'initiative de suspension du service de la dette et le cadre commun. Nous plaidons pour une annulation totale de la dette africaine pour permettre une relance de l'économie post-Covid et nous permettre de faire face aux impacts négatifs de la crise en Ukraine. Cette crise complexe, économique et multiforme, génère aussi une insécurité alimentaire très préoccupante. Par son acuité, elle menace de renvoyer notre continent à des scénarios de malnutrition et de famine d'une ampleur inégalée depuis le début de ce siècle. Si l'on y rajoute les insuffisances de notre capital humain, à commencer par l'éducation et la formation des jeunes, la santé, mais aussi l'accès à l'eau et à l'électricité, l'Afrique risque de voir remise en cause ses principales avancées depuis 2 décennies. Les remèdes ne sont pas simples. Ils nécessitent des politiques concertées au niveau national, régional, continental, pour créer le mouvement vertueux qui nous permettra de sortir de l'ornière. Si la guerre s'est à nouveau invitée sur les territoires européens, l'ombre de ce conflit fratricide risque de ruiner et de déstabiliser notre continent. Et face à cette situation critique, et comme nous l'avons fait en pleine crise sanitaire Covid, la solidarité doit toujours prévaloir. J'invite alors nos partenaires européens à mobiliser massivement le fonds de partenariat de 150 milliards d'euros mis en place lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022 pour appuyer notre continent. Et j'entends d'ailleurs porter incessamment ces demandes légitimes auprès du président du Conseil européen qui a toujours affiché son attachement au développement de notre continent. Mesdames et messieurs, honorable assistance, dans le cadre de responsabilités que vous venez de me confier, j'entends sur les questions très importantes auxquelles fait face notre continent, me fixer une mission essentielle qui constitue d'ailleurs le thème de l'année, à savoir l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous plaçons collectivement beaucoup d'espoir dans cette ZELCAF que notre organisation a lancée en 2021 et qui peut apporter
des solutions idoines à nos problèmes. D'ailleurs, grâce à l'impulsion finale du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique et du sommet extraordinaire sur la zone de libre-échange du 25 novembre dernier à Niamey, cette zone de libre-échange est désormais mise en place et ratifiée par 46 pays africains et j'encourage le reste de mes pairs à bien vouloir la ratifier également. Il appartient donc à chacun de nos États signataires de se créer à son tour les conditions normales pour que cet outil exceptionnel serve réellement le levier au commerce intra-africain et à son développement, car celui-ci demeure très insuffisant. À hauteur de 17% des échanges continentaux, tout comme la part de l'Afrique dans le commerce mondial qui stagne à 4%. Sur cet engagement au réalisme de tout, la zone de libre-échange serait condamnée à rejoindre la longue liste des occasions malheureusement manquées. Cela, nous ne pouvons pas nous le permettre, car nos peuples et nos entreprises attendent avec impatience la concrétisation de l'agenda 2063. Honorable assistance, nous devons, comme vous l'avez confié, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Néanmoins, je pense qu'il y a trois éléments que nous devons nous y attacher pour accompagner cette mission. La paix et la sécurité, le problème climatique et l'autosuffisance africaine. Nous devons en effet accorder une grande importance à la paix et à la sécurité et surtout chercher à les consolider par la prévention et la négociation. Notre continent compte trop de nombreux conflits internes. Ceux-ci ont entaché la confiance dans la capacité des institutions continentales à les prévenir, à y mettre fin, avec les conséquences qui en découlent. Le bilan estimatif de ce conflit interne atteint depuis les indépendances un chiffre exorbitant. Aujourd'hui, 36 millions de migrants africains qui constituent 40% des personnes déplacées dans le monde. Au-delà de la tragédie que constitue pour chaque exilé, la perte de sa famille, de ses biens, l'ampleur du phénomène représente un défi colossal pour nos pays, défi logistique, sanitaire, éducatif, financier, mais aussi défi en termes de sécurité. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et des DR sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy, les efforts qu'il a faits, et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. J'entends aussi contribuer et faire en sorte que l'Union africaine soit un acteur engagé au service d'un multilatéralisme pour la paix. Mais parce que le multilatéralisme repose aussi sur le principe de l'équité, je me ferai aussi le relais du plus de milliards d'Africains que nous sommes pour plaider inlassablement en faveur du droit de notre continent à siéger de façon permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous rassurez, Monsieur le Premier de la Palestine, que le problème de la Palestine-Israël, nous en ferons notre priorité pour que ces deux États puissent vivre en paix, côte à côte, mais avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Nous devons également nous atteler avec plus d'énergie à la question climatique. En effet, bien que l'Afrique ne soit responsable
que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le changement climatique affecte de façon de plus en plus visible la vie de notre continent. Il imprime notamment sa marque dans de nombreux conflits liés aux ressources naturelles sur cette question éminemment stratégique du climat. L'Union africaine devra donc continuer de faire entendre sa voix dans le concert des nations, comme elle l'a fait avec succès à la COP27 grâce à notre champion, le président Macky Sall. Notre continent doit aussi se préparer à la prochaine COP qui aura lieu aux Émirats arabes unis pour qu'on ait un projet conséquent à proposer, à défendre, pour effectivement essayer de protéger le continent africain et bien sûr les États insulaires de l'Afrique par rapport à ces problématiques du climat. Et j'ai saisi l'occasion qui m'est donnée pour rendre un hommage mérité au parcours historique exceptionnel des États insulaires de développement dont mon pays fait partie, car grâce aux plaidoyers de ces États et des organisations régionales du continent, l'Afrique s'est souvenue aussi qu'elle avait 26 000 kilomètres de littoral. Elle a réalisé l'importance de sa contribution à notre sécurité, à notre souveraineté alimentaire. Elle a pris conscience que l'économie bleue de l'Afrique devrait générer des dizaines, voire même des centaines de dollars d'ici 2030 et représenter ainsi une part considérable du PIB continental. Lors de la prochaine conférence des Nations Unies, qui sera consacrée à la fin de cette année à la Grande Muraille Bleue, l'Afrique devra donc présenter, par la voix de notre organisation Infro-Unie, et des propositions concrètes dans ce domaine essentiel pour l'avenir de nos peuples. Et en tant que président de l'Union africaine, j'entends être à la pointe de ce combat. Il faut reconnaître aussi que si ce combat est appuyé par l'utilisation à bon escient du numérique, qui est incontournable dans tous les domaines, dans tous les métiers, même les plus traditionnels, il intensifiera notre capacité à relever davantage la croissance par le bien-être de nos populations. Nous devons enfin veiller à promouvoir l'autosuffisance de notre continent. Il n'est pas normal que l'Afrique soit largement tributaire des importations extérieures en dépit de toutes les richesses naturelles et humaines dont elle regorge. Notre continent peut et doit se donner les moyens de produire suffisamment et de pouvoir transformer et stocker ces produits afin de se préparer aux statistiques qui nous disent que l'Afrique pourrait devenir incessamment le premier marché du monde. Donc, stocker, produire et stocker, consommer avant d'exporter. À l'instar de la COVID, la crise russo-ukrainienne a montré la nécessité pour nos pays de sortir du cycle de la dépendance en prenant à bras le corps la question de la promotion et de la production alimentaire et surtout en allant dans le sens de la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Il est temps de multiplier les négociations avec les organisations concernées et notamment la Banque africaine de développement, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le secteur agricole en Afrique afin d'obtenir les semences et les intrants à cette production, mais aussi renforcer les capacités de nos pays dans ce domaine important qui est l'agricole. Permettez-moi de saluer ici le travail exceptionnel que notre frère, le président Adesina, a toujours accompli dans ce sens-là. Mais il faut aussi et surtout intéresser nos jeunes aux métiers et plus particulièrement ceux de l'agriculture qui ont un très grand potentiel et qui permettront à nos pays de sortir de la pauvreté, de la famine, de la malnutrition et de la dépendance. Il est en effet essentiel de former et occuper ces jeunes afin de les empêcher de devenir les otages
des extrémistes de tous bords qui menacent la paix et la stabilité dans nos pays à travers des actions terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique fait face à des défis immenses. Nous serons dans quelques années 3 milliards d'habitants sur ce continent qui n'en comptait pas encore un seul milliard en l'an 2000. C'est à nous qu'il incombe de tracer les perspectives et d'apporter les réponses pour que l'Afrique de demain soit une Afrique prospère et porteuse d'espoir. Agissons alors pour l'épanouissement et le renforcement des droits des femmes qui comptent parmi les responsables d'aujourd'hui et de l'Afrique de demain. Des femmes qui donnent la vie, assurent au quotidien l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et familiales et occupent une place toujours plus grande dans les créations de richesses sur notre continent. Des femmes qui méritent que nous nous impliquions davantage dans les efforts que de prendre nos organisations en vue de leur égalité de droits avec les hommes, mais aussi de leur autonomisation pour plus de développement sur notre continent, d'où l'importance de coordonner nos actions dans ce sens et notamment l'harmonisation de nos politiques sur le genre. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux manquer de rendre hommage à l'engagement de nos collègues champions, qui portent à cœur la cause africaine en veillant à l'aboutissement des hautes missions que nous leur apportons, que nous avons données tous ensemble, confiées. Je vous demande de leur applaudir. Au moment de conclure mon allocution, je vais vous assurer que la défense et la promotion des intérêts de notre continent sera tout au long du mandat qui m'échoit au cœur de mes préoccupations. Et avec le soutien des membres de notre bureau et celui de vous tous, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne doute pas que nous parviendrons ensemble à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre organisation. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency, for your statement. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we now have two items left on our agenda. Next on the agenda is the launch of the theme of the year 2023. In this connection, may I humbly invite His Excellency, Mr. Wamkelemene, Secretary General of the African Continental Free Trade Area to come to the podium and guide the proceedings on this item. Thank you. Your Excellency, President Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, Your Excellency, Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Republic of Ethiopia, Your Excellencies, Heads of States and Government, Your Excellency, Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Prime Minister of the State of Palestine, Your Excellencies, our former heads of states who are here with us today, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Ahmed Abul Gate, Secretary General
of the League of Arab States, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Dr. Nsanza Baganwa. Let me start by expressing gratitude to the Assembly of Heads of States and Government for their unwavering commitment and support to the African Continental Free Trade Area and to ensuring that it becomes a reality. It was last year in February during the 35th Ordinary Session that you approved the African Union theme for the year 2023 to be, and I quote, acceleration of AFCFTA implementation, end quote. The theme of the year coincides with the 60th commemoration of the establishment of the Organization of African Unity in this historic city of Addis Ababa. 60 years after our founding mothers and fathers established the OAU, the AFCFTA presents itself as a tool to be deployed by the African Union to position Africa to adequately respond to the challenges of our time. The public health crisis from which the continent is emerging, and of course, the food insecurity crisis that is attributable to the current geopolitical context. In the area of public health, the concluded protocol on intellectual property rights, which the Assembly will adopt today, is an important instrument that has the potential to address Africa's public health and industrial development imperatives. To address the food insecurity crisis, the Council of Ministers of Trade resolved to develop a strategy for boosting intra-Africa trade in agricultural products, an important outcome of the recently convened meeting of Ministers of Trade in Gaborone, Botswana. Your Excellencies, Heads of States and Government, ladies and gentlemen, you will recall that in November 2022, at the 17th Extraordinary Session of the Assembly of Heads of States and Government that took place in Niamey, Niger, you took note of and endorsed the conclusion of the negotiations of the protocols on investment, competition, and intellectual property rights. I wish to thank the Ministers of Trade under the leadership of Minister Yves Fernand Mamfumbi of the Gabonese Republic for successfully concluding the negotiations within the deadline that you as the Assembly had set. As you directed, the three protocols were subjected to legal review and subsequently adopted by the STC on Justice and Legal Affairs. The conclusion of these protocols provides a legal basis to anchor an effective and comprehensive One Africa market and shall be an accelerator for reaching the aspirations of Agenda 2063, the Africa we want. Later this afternoon, His Excellency President Mahamadou Issoufou, the champion of the AFCFTA, will elaborate on this important milestone of conclusion of these protocols. We owe His Excellency President Mahamadou Issoufou a debt of gratitude for his unwavering commitment and leadership in delivering the AFCFTA. It is due to his tireless efforts that Africa has been able to confound critics by achieving substantial progress in a very complicated multilateral trade negotiation in a very short period of time. Having concluded these protocols, in this year of accelerated implementation of the AFCFTA under your leadership as the Assembly, we are on track to conclude the protocols on digital trade and the protocol on women and youth in trade. The protocol on digital trade, amongst other important objectives, is set to broaden access to trade, particularly for small medium enterprises that are led by women and young Africans, thereby addressing the critical imperative of digital financial inclusion and the need for more investment in digital financial inclusion technology. I am most grateful to Her Excellency President Mama Samia Suluhu Hassan for having hosted the inaugural Women and Youth in Trade AFCFTA conference in Dar es Salaam, United Republic of Tanzania in September 2022. The acceleration of the implementation of the AFCFTA shall not only be in the context of concluding
the establishment of the legal construct. It shall also be in accelerating commercially meaningful new market access opportunities across the African continent. In this regard, the Council of Trade Ministers congratulated and welcomed the market access offer, or the tariff offer, that the Southern African Customs Union, SACU, recently submitted. An important step in our desire to boost intra-Africa trade and create commercially meaningful opportunities for our private sector, particularly small medium enterprises. Your Excellencies, ladies and gentlemen, where there is strong collaboration amongst all organs and specialized agencies of the African Union and regional economic communities, accelerating the implementation of the AfCFTA shall produce the results that we all desire. In accelerating the implementation of the AfCFTA, in accordance with the theme of this year, we must leverage on Africa's development finance institutions, such as our strategic partners, Afreximbank and the AFDB, to ensure that we build on the success recorded thus far. My election to this position in February 2020 by this August Assembly coincided with the outset of an unprecedented public health crisis, which threatened the successful initiation of a continental free trade area. However, even under these extremely difficult circumstances caused by the pandemic and the challenging geoeconomic context, we have been able to make significant progress. Some of the progress achieved was the establishment of an AfCFTA adjustment fund capitalized by Afreximbank, already has an amount of $1 billion capitalization, with more to be raised to enable AfCFTA state parties to benefit from the AfCFTA. We commenced commercially meaningful trade under the Guided Trade Initiative, where 8 countries, Ghana, Egypt, Tanzania, Rwanda, Kenya, Mauritius, Cameroon, Tunisia, traded goods under preferential rules of the AfCFTA for the first time in the history of the African continent. The most important aspect of the Guided Trade Initiative was in demonstrating that beyond enhanced trade flows, which is important, the AfCFTA can deliver inclusive benefits and opportunities for all. The tea that was exported from Kenya to Ghana was produced by smallholder farmers, whom the government of Kenya organized into cooperatives for export under the AfCFTA. A remarkable story of inclusivity in trade, a remarkable story of Africa demonstrating that trade does not have to be intrinsically a zero-sum game. Another success is the launch of the Pan-African Payments and Settlement System, which will enable trade in local currency. In record time, we established a fully functional secretariat that has a 50-50 gender parity, that has as many men as it has women, that has as many men as it has women in positions of senior positions, including positions of director. A secretariat that has all the languages of the AU, the official languages of the AU, represented, and all regions of the African Union represented. With 35% of the secretariat staff being under the age of 35, yet we have to do more to ensure youth empowerment and advance the gender parity objectives which we all share, particularly in the very male-dominated area of trade law and trade policy. In establishing this fully functional secretariat in the middle of an unprecedented pandemic, I wish to thank His Excellency President Nana Adudankwa Akufo-Addo for giving meaning to Pan-Africanism by fully supporting the AfCFTA secretariat, and I want to express my personal gratitude to His Excellency President Akufo-Addo for his support to me personally. On the rules of origin, I wish to report to you that for the first time in the history of the African continent, economic history of Africa, we have achieved 88% convergence, meaning that in almost 5,000 products that we trade, we now will be able to trade on the basis of a single set of rules for trade and investment in almost 88.3 products across the African continent, presenting our continent as a continent that has investment potential
and industrial development. Your Excellencies, heads of states and government, ladies and gentlemen, the comprehensive roadmap for implementation of the theme for this year relies significantly on all AU organs, agencies, and regional economic communities, our strategic partners, African Development Bank, AFDB, for successful implementation to enable us to transition from negotiations to practical steps that have to be taken for implementation of the AFCFTA. In this regard, I want to thank His Excellency President Macky Sall for his continued support during his tenure of the accelerated implementation of the AFCFTA. And through our chairperson, His Excellency Moussa Faki Mohamed, may I invite you, the Assembly, to officially launch the theme of the year, 2023, that is accelerating implementation of the AFCFTA. I have said nothing about challenges that we shall confront, because the challenges that we certainly shall confront must not define our resolve to succeed. As we take positive steps towards the milestones of the Abuja Treaty, we must expect that economic and market integration is a difficult yet worthwhile task. Allow me, Your Excellencies, heads of states and government, to conclude with the words of the late President Thomas Isidore Sankara, and I quote, "We must dare to invent the future. We must dare to invent the future." And in paraphrasing the president's words, we must dare to invent the economic future of the African continent. I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the last item is the group photo. I would like to bring to your attention that only the following dignitaries will be part of the family photo: African Union heads of state and government, heads of delegation representing African Union member states, His Excellency the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency the Prime Minister of the State of Palestine, His Excellency the Secretary General of the United Nations, His Excellency the Secretary General of the League of Arab States. After the photo, we'll take a brief coffee break, followed by the closed session. By way of a reminder, closed sessions are limited to only delegates with a special pin or a badge with a letter C. While expressing my sincere gratitude for your esteemed presence and participation in the 36th ordinary session of the Assembly of the Union, may I kindly request that you remain seated as a sign of respect to our leaders as they are escorted out of the auditorium for the photo ceremony. Please keep the exit routes unencumbered. Thank you very much.